vendredi 28 août, Strasbourg. C'est notre dernier cours pendant les vacances. Il pleut, il fait manche. On voudrait bien faire notre pas, notre 10 000 pas. On n'a pas encore 10 000, alors on va les faire ici. Peut-être un peu moins. Aujourd'hui, on va travailler son sang à nouveau parce que j'ai un petit bobo au genou. On va travailler ici. On va faire 10 tranches. Dans chaque tranche, 3 exercices. 30 secondes chaque exercice. On les répète sans pause deux fois et on a une pause de 30 secondes. Oui, oui. 5 tranches debout, 5 tranches par terre. Et par terre, on va travailler l'intérieur de cuisse. Alors, t'es prêt? On y va. Aujourd'hui, la musique rock avec nous. Come on. Bonjour tout le monde. Inspire. Bien. Encore. Et la dernière. Bien. Prépare-toi la bouche. Hop. Hop. Alors, Suzanne, un petit sourire, ça fait pas du mal. Encore. Bien, l'autre sens. Hop, hop. Très bien. Come on, come on, come on. Réchauffe, réchauffe le corps. Ça va les vacances chez vous? On a bien voyagé? Au niveau de la hanche, encore.
encore. Point de pièces. Hop, croise, hop, genou devant, hop, croise, hop.
Super. Garde le dos droit. Gauche. La même chose, lève tête. Tu commences par la gauche. Alors, vous nous voyez en miroir. Vous voyez que c'est à droite. Mais en réalité, c'est pas ça. Hop. Pose bien le talon. Premier pas sur le talon. Non.
Super. Trois. Hop là. Deux. Un. Force. Deuxième planche. C'est fait. Alors, c'est pas difficile. Tu peux le faire. Fais avec nous. C'est vraiment pas difficile. Tu peux aller plus lentement. Mambo. J'envoie devant, derrière. Devant, derrière. Tout simplement. L'autre, tu la lèves. Légèrement. Après, tu vas juste toucher. Pied. Genou extérieur. Après, step sumo. Mambo. Lève chaque fois l'autre jambe. Loin les mains en arrière. Oui, on va avoir nos 10 000 pas par jour. Il pleut dehors. Laisse-moi tranquille. Encore. 5 secondes. 2, 1, hop. Pied extérieur. Genou extérieur, pied, la main opposée. L'autre main reste en haut. Essaye de ne pas plier le dos. D'élever bien la jambe. Tout de suite, on passe au squat sumo. Un. Alors, quatre pas en avant. Un, deux, trois, quatre. Rapidos.
Rapidos. Allez, allez les garçons. Le dos immobile. Que le bras. Le bras et la jambe. En mouvement. 6 secondes. Squat souvent, descend, on y va. 1, 2, 2 fois. 1, 2, 2 fois. 1, 2, 2 fois. Tout de suite après, 2 fois. Descends plus bas. Hyper. Thank you.
Alors tu plies, tu touches. Très bien. Deuxième exercice. Genou, genou, pied, pied. Et troisième, squat normal. Tout simplement. C'est bon, il faut ajouter parce que ça ne coule pas assez. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Tirez la main. Le main, même hauteur que l'oreille. Tire, 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 tire. Super! Hop! Jambes en arrière. Loin. Hop. Fait.
Loin. Loin, mesdames. On travaille à l'intérieur des cuisses, tu travailles en temple d'abord. Petit moment. Et on va répéter, même chose. Pied flex. Je vais baisser un tout petit peu. Encore.
Portable, c'est trop baissé. Hop là. À côté, Suzanne. C'est quoi ça, ma belle? Hop. Jambes en bas, reste en bas. Le bassin est bien droit. Pose une pied. Devant, celui-là qui est en haut. Pose la main ici, coude devant la poitrine. Pied, flex. Ventre tendu. À quatre en l'air. Un. 2, 3, touche. 1, 2, 3, touche. 1, 2, 3, force. 1, 2, 3, force. Déjà, Suzanne? Pardon? Fais comme tu préfères. Fais comme tu préfères. Le but, c'est lever la jambe. Alors, si vous préférez mettre la jambe comme Suzanne, on n'a pas de pause. Deux.
Champions, my friends. Yes, Suzanne, we are the champions.
Essaye vraiment de tirer la jambe le plus
Respire bien en profondeur. Essaye de relâcher les muscles. Tire les genoux vers la poitrine et la jambe le plus loin possible. Super. Change l'autre côté. Hop. Super, tu tires loin la jambe. Genoux vers la poitrine. Pieds pointus. Tire. Essaye ici de faire le plus place possible. Encore. 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 Et tu relâches. Pose la jambe droite par terre. Jambe gauche, tu attrapes talon haut. Approche la jambe. Redresse ici. Approche la jambe vers toi. Si tu ne peux pas redresser, tu peux tenir toujours plus bas. Et éloigner la jambe. Talon vers le haut. Hop. Tête posée, épaules posées, relâche déjà les muscles. Tire que les talons. Il est 16 heures déjà. Il est 16 heures. Il est 16 heures et moi je... À 19 heures, je le prends. L'autre côté. Hop là, talons haut, approche la jambe. Essaye de redresser le genou. Redresse le genou, tête posée, fais attention de ne pas lever le mouton. Mouton est là. Mouton, mouton. Beau, beau, beau. Pose pied sur le genou, pied. D'accord? Maintenant, la jambe posée par terre, tu l'attrapes et tu pousses genou vers l'extérieur et l'autre jambe vers la poitrine. Alors, ici chez moi, c'est la gauche, je la tire vers moi. La droite, je tire vers l'extérieur. Et je respire en profondeur. Super, on change de côté. Alors, l'autre pied, là je pose la main, là je tiens. Et je pousse avec ma main. Pose bien la tête, pose bien les épaules, décolle pas ici, pas la peine. Relâche déjà les muscles, essaye de les étirer. Respire bien, sois à l'aise. Pose, super. Écarte les deux mains, pose les mains vers le sol. La jambe droite, tu poses sur la jambe gauche. Tourne la tête à droite, bascule les genoux à gauche. La main gauche pose sur les cuisses et appuie au corps. Respire bien en profondeur. Reste dans cette position, c'est une bonne position pour le nerf sciatique. Si jamais tu as mal, tu peux faire cet exercice. Commence toujours par les côtés qui t'ont fait pas mal. Respire en profondeur et on revient en expirant l'autre côté, change la jambe, tu peux poser la main sur les cuisses, tourne la tête, appuie sur les cuisses, essaye de libérer le dos, de libérer toutes les tensions, respire bien. Souris. Super. Le pire est fait maintenant. En plus, on est vendredi. Reviens. Alors, on va se reposer un peu. Genou vers la poitrine, bascule le corps. À droite, à gauche. À droite, à gauche. Super. Hop, les mains, hop, attrape le pied. Si tu ne peux pas attraper le pied, attrape la cheville. D'accord? Moi, j'attrape le pied, écarte le jambe le plus loin possible. Ouvre les hanches, écarte les jambes. Maintenant, en même temps, d'abord, tu redresses la jambe droite. Hop. Tu plies la jambe droite. Tu redresses la jambe gauche. Hop.
Tu plies la jambe gauche et tu redresses les deux. Essaye de rester dans cette position. Écarte le jambe. Écarte. Super. 4. 3. Si tu ne peux pas tenir le pied, tu peux attraper. Tu peux poser la main sur le mollet. Ça va tirer encore plus. 3. 2. 1. Pose une jambe avec l'autre. Tu t'élèves. Très bien. 4 pas. Écarte le genou. Fais. Alors, espace un peu le pied. Essaye de poser les fesses entre les jambes. Écarte bien les genoux, Suzanne. Oui. Oh là là, tu peux faire ça? J'ai mal. Écarte plus les jambes. Bien. Le pied légèrement écarté, les genoux plus encore écartés. Tu pousses les fesses en arrière là. Ça doit tirer les adducteurs. 4, 3, 2, 1. Oh, oh. Le dos arrondi. Lève la tête, lève les fesses, baisse l'épaule. Inspire. Souffle. Inspire. Quand tu souffles, tu bouges. Lève la tête, lève les fesses, baisse l'épaule. Inspire. Souffle. Cache la tête, lève le dos. Inspire. Souffle. La tête lève les fesses, super. Les genoux plus près, les jambes plus près, tire le dos, inspire. Très bien, pose les mains devant le genou, on va se lever comme d'habitude, va en arrière, approche le main, on est en position squat, pose une jambe, une main, l'autre main sur le genou. Et roule le dos vertèbre après vertèbre, ventre tendu. Roule, roule, roule. À la fin, tu lèves la tête et on inspire. Et deux. Et trois. Et tu dis merci. Merci beaucoup. À bientôt.